Péo, on va mourir ici, là. Là, on est entre deux voies, là. Là, moi, je suis comme... Elle devrait être venue cette vanne, tu savais pas. Ah! Oh, mon Dieu! Pour la dernière du Ovlog cette année, j'ai eu le goût de me gâter, recréer un concept de un de mes animateurs préférés, James Corden, et c'est les Carpool Karaoke. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx! Alors, j'ai demandé à une de mes amies qui trippe sur le karaoké, Marie-Pierre Morin. Oh, hello, ben... it's me. Hey, je suis tellement prête, Théo, là. Je pense que tu sais même pas dans quoi tu t'embarques. Toi, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ah ouais? Oh, que t'es pas au courant. Hey boy! Mais là, avant de commencer, je veux savoir, oui, parce que la question que tout le monde se pose en ce moment, comment va le nez de Marie-Pierre Morin? Parce que tu t'es cassé le nez il y a quelques jours. Il va mieux, là. Ouais? C'est comme... en fait, c'est la partie droite de mon nez qui était renfoncée vers l'intérieur. Fait que là, ils l'ont replacé. Je fais en sorte qu'en fin de semaine, j'avais l'air de Madame Patate. Mais je me suis dit que chanter aujourd'hui, ce serait le meilleur remède. C'est toujours un très bon remède. Ton chum, il s'est battu des centaines de fois. Oui? Il s'est jamais cassé le nez. Toi, tu t'es battu une fois, on va le dire, avec le fils de Patrick Langlois. Qui a? 5 ans. 5 ans. Mais ça fait casser la gueule par un enfant. On y va, on y va. Non, c'est on diva. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, on y va, mais on est des divas, parce qu'aujourd'hui, on est des chanteuses. Ah, c'est vrai! Es-tu déjà à faire les vocalises dans ta chambre? Non, sauf que je suis vraiment une chanteuse refoulée, genre frustrée. Hein, c'est vrai? Moi, c'est mon rêve de tous les temps. Hein? Moi, j'aurais vraiment voulu être une chanteuse dans ma vie. Malheureusement, j'ai les cordes vocales d'un chômeur. Carpool Karaoke, tu connais le concept? Oui. J'ai changé de concept un peu. Okay. On va faire des performances. Parce que là, bon, toi, l'année passée, tu as animé une émission musicale faites comme chez vous. L'année prochaine, on va te voir comme la grande sœur des candidats à La Voix Junior. Oui. J'imagine qu'on t'a booké pour tes talents de chanteuse. Oui, mes performances vocales. Ah ouais, hein? Non, pas du tout. Si tu étais une des candidates, oui, qui tu choisirais comme coach? Parce qu'on connaît, il y a Marie-Mé, il va avoir Alex Nevsky. Oui. Il va avoir Marc Dupré. Marc Dupré. Mais j'ai pas le choix d'y aller avec le girl boss. Ah ouais? Marie-Mé, tu sais, c'est comme l'essence même de la pop star. C'est hit. C'est toutes ces tunes, c'est des hits. La chanson là, de Marie-Mé que tu t'es dit, hey, ça, là, je pourrais chanter ça, puis je serais tellement bonne là-dedans. Là. OK. Ben, dans mon registre vocal, là, hey, ça y aurait tellement haute en plus. Je pense que j'irais avec C-O-P-R-A. Cobra? C-O-P-R-A. On y va-tu? On y va-tu? Oui! OK, c'est parti. Le soleil bohème coule dans mon rêve. Viens vers moi. Le courant dansera pour qui suivra. Je savais pas dans quoi tu t'embarquais. Hein? Es-tu une fille de karaoké, toi? J'adore les karaokés. Au grand désespoir de mes amis. Ah ouais? Ben parce que, tu sais, je chante tellement mal que quand je dis, hey, on va au karaoké, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ils savent que là, les oreilles vont lui gricher. Ta chanson de karaoké, c'est laquelle? Ben moi, on est moins dans la prestation vocale. Okay. On est vraiment plus dans l'intensité. Moi, je suis une fausse rapper. OK, moi, j'ai toujours rêvé d'être une rappeuse. Quand j'étais jeune, j'écoutais du I.M., j'écoutais du Domatic, j'écoutais aussi du Mano. OK. Oh mon Dieu! C'est du rap celtique. Ça peut être mieux que ça? Tu sais, c'est quoi les mots là-dessus? Ah, j'ai soif en plus. Tu connais les paroles? Le vent souffle sur les plaines de la montagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Dans la vallée, oh, de la na, da, di, da, da. Dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos. Hey, sérieux, là, j'en reviens pas. OK, si y a des... Là, depuis tantôt, je suis là, je dis, ouais, tape-moi dans la main, tape-moi dans la main. Elle m'a pas tapé dans la main. J'avais une jalouse d'un temps. Avais-tu une tune quand tu étais jeune, que aussitôt que tu l'entendais, tu te mettais à chanter ou tu étais comme fan des Backstreet Boys? Mais non, mais Théo, les années 90, c'est mon temps à moi. Et comme toutes les filles de mon âge, quand les Spice Girls sont sorties,
ça a changé ma vie. Moi, j'étais Baby Spice. Portais-tu des gros talons, genre super épais? Moi, j'avais des plateformes. C'est drôle parce que ma mère, elle voulait pas que je porte ça. Elle disait, ça va tout te défaire la colonne. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, je suis pas mal plus, je suis pas mal plus. On va chercher des hot dogs. Hein? On va chercher des hot dogs, okay, oui. On va aller chercher des hot dogs. Ta chanson préférée des Spice Girls, c'est quoi? Leur plus gros. Ah ouais, la classique Wannabe. Wannabe! Mais moi, j'aimerais ça la faire, sauf que James Corden, dans son Carpool Karaoke, il l'a fait avec Adele il y a quelques mois. Tu penses qu'on est capable de battre ça? Je sais pas. On va essayer. Yo, tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Il y a une chanson, j'ai entendu dire, que c'est comme l'hymne à Marie-Pierre Morin. Faut-tu devines c'est quoi? Ouais. Ben, je sais c'est quoi, c'est Cœur de loup. Tu veux faire lever un party dans une place où c'est des trentenaires, là? Ouais. Tu pars un cœur de loup, là, c'est terminé. J'étais allée souper au restaurant la semaine passée avec mon chum. Ouais. La tournée est partie au restaurant. Tout le monde dans le restaurant s'est mis à chanter. À part ton chum, j'imagine? Non, il est rendu qu'elle connaît. Ah! Ah oui! Ben voyons, toi! Wouh! Hey day! Hey! Pas le temps de tout les dire, pas le temps de tout les faire. Juste assez pour enlever la satire sans que je lui plaire. C'est le fruit de l'emballage, la lubie de faux filet. La folie de ce que ça s'y est un peu, pas l'embrasser. Dans le sourire, mon œil lui fait de l'œil. Même lui sous la lune ne me fait pas peur. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas le droit de vous. Oh my God! Ah. Hey, ça fait-tu du bien, ça? Hey. On se voit en septembre prochain, La Voix Junior qui va commencer. Puis ben nous autres, on se dit à l'année prochaine. Je vais enlever mes lunettes. Puis rappelez-vous toujours que ce qui peut être viral ailleurs pourra toujours l'être plus. Où, Marie? Ici! Ici! Bye! Bye.